Alors, il suffit de chercher un peu pour trouver des vers. La dernière fois, j'en ai trouvé ici. En fouillant là-dedans, là. Le seul endroit où il y avait un peu de terre facile à retourner. Et il y en a, là, des vers dans le sable. Hop, il y a des beaux vers. Plein, plein de vers de terre. Ah, il y a des orties aussi, ça pique, ça. Bon, on a fait le plein. On est reparti à la pêche. Hein. On est reparti pêcher. Allez, c'est parti. Ça sent la Vandoise. Que je sais, c'est que c'est un joli fish. Ah, quoique, ça vient bien quand même. Ah non, c'est une belle truite. Une belle petite truite. Hop là, décroché. Ah là là, les hameçons sans ardillon, ça décroche facilement. J'aurais dû garder la canne plus haute, je pense. Mais là, on a quand même des très bonnes conditions. Regardez la rivière en face, elle est toute boueuse. Donc, forcément, les poissons viennent se nourrir. Oh. Elle est peut-être pas vilaine cette truite. Oh, je crois que c'est une lâchée. Non, c'est pas une lâchée. Donc voilà, une poisson de 30. Bon ben, je suis bon pour refaire mon montage. Et le niveau d'eau il monte. C'est plus la même. Là, j'ai... Ah, décroché! Ah non, cassé. Mon hameçon s'est décroché. Bon, mais allez, on va remettre un hameçon. C'est pas comme si je venais de refaire un montage. C'est que mon montage était mauvais. J'ai foiré mon montage. Ah putain, c'est poisson ça. Oh, c'est belle truite. C'est très belle truite. Elle, faut pas que je la décroche. C'est très belle truite.
Une très belle truite. Non. Voilà. Ouh. J'ai une belle truite. Putain. On peut pas faire plus piquer à ras de la gueule. Hop là. Voilà. Une belle truite. Hop, qui fait. Bon. Hop. 34 cm. Allez, je vais te relâcher, toi. Poisson. Oh. Elle a pas l'air très vilaine celle-là. Oh. Elle se laisse pas faire. Elle se laisse pas faire. Allez, viens par ici, ma coquine. C'est quoi ça? Oh! Une truite? Une vandoise, je vois pas d'ici. Truite! Encore une belle sauvage. Oh, par où tu t'es piqué, toi? Ah, tu as l'hameçon ici, à ras de la gueule, et ensuite tu as fait des tours. Tu t'es emprisonné. Hop. Nion ! Bon, elle est partie un peu plus vite que prévu. Elle a pas demandé son reste. Allez, poisson. Si je l'ai pas décroché. Poisson. Première du jour. Putain, elle est froide l'eau. Hop, allez, décroche-toi. Voilà. Une jolie petite truitelle. C'est bon. Parti à pleine balle. Bon, bah allez, on met un verre et on est reparti. Hein. Ça, c'est très très joli.
sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment fat. Oh, ça sent pas la truite. Mais c'est vraiment gros. Peut-être un gros chub. Allez, faut pas que je le décroche, ce poisson. Ah, c'est vraiment un très joli poisson. Je sais pas ce que c'est encore. Ça sent le chevesne, ça veut aller dans les bordures. J'espère que c'est un chub. Bien que ce soit un très joli chub, et je me demande si c'est une vendoise ou un barbeau. C'est pas un chub, peut-être un barbeau. Combatif comme ça, c'est peut-être un barbeau. Je crois que c'est une vendoise. Grosse vendoise. Encore une fois. Allez. Ça se laisse pas faire ces poissons. Hein. Surtout les gros comme ça. Elle a vu l'épuisette. Non, ne dis pas que je suis reparti. Allez, viens. Hop là. Un perfect dans l'épuisette. Oh, c'est encore un gros fish. Voilà. Piqué sur le bout du museau. Clac. On peut pas faire plus zara. Hop là. Bon mais elle est partie. Voilà. J'aurais pas eu le temps de trop vous la montrer. Allez, on est parti. Ça sent la vendoise encore. Ah non, chandelle, c'est truite. Pouf, une belle truite. Mauvaise langue, c'est une belle truite, une très très belle truite. Voilà. Un poisson qui fait 29. Voilà. Hop là. Elle a voulu repartir.
Allez, on est parti. C'est encore un très beau poisson, je pense. Ça sent l'avandoise. Je suis peut-être menteur, mais ça sent l'avandoise. Là, vu là où je l'ai pris, comment ça tient le fond, ça n'a pas encore tapé de chandelle. Et les combats, c'est autre chose qu'au leurre quand même. Ouais, c'est une vandoise. Ah non, 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 c'est une belle truite. C'est une très belle truite. Encore une fois, j'ai menti. Hein. C'est une très belle truite. Je suis vraiment mauvaise langue. Hein. Une belle truite qui est dans les pilettes. Voilà, c'est un beau poisson. Un très beau poisson. Qui fait 32. Voilà. Encore une fois, une très belle truite, une belle sauvage qui a succombé à mon leurre, à mon verre, pardon, d'habitude. Voilà. Hop. Allez. Ziou. Reparti comme une balle. Hop, on range l'épuisette. Ah, poisson. Enfin. Oh, c'est pas gros ça. Oh, c'est pas gros du tout. Mini truitelle. Oh, c'est fiche ça. C'est gros fiche ça. Oh. Je sais pas ce que c'est. Je croyais que j'étais accroché au fond. Non, 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 c'est gros fiche. Oh non. Décroché. Non. C'était gros fiche. Cassé. Cassé. Non, j'avais très gros fiche là. Fait chier. Ouais, je vais me refaire un montage. Pour les hameçons, j'utilise du VMC Mystic Trout numéro 12 sans ardéillon. Voilà. C'est des hameçons qu'on a eu et ils sont très très bien. J'en suis très content. Bon, allez. On est reparti cette fois, prochain gros poisson, je ne casse pas dessus. Je n'ai pas le droit de casser pour le prochain. Là, je le perds pas. Oh non! Décroché! Putain!